On va commencer. La chanson que vous avez écoutée aujourd'hui, c'est du groupe qu'on appelle Benjavite. C'était leur premier album. Vous pouvez trouver ça à originalroyalty.com si vous voulez avoir des musiques qu'on fasse. Okay. Le titre de classe aujourd'hui, c'est Pourquoi est-il dur de changer? Parce que vraiment, il n'est pas dur de changer, mais on va vous montrer pourquoi les gens ont peur du changement. Du changement biblique, ça veut dire. Alors, commençons-nous à Hébreux. Hébreux chapitre 11. À vrai dire, commençons à Hébreux, à Romains chapitre 12. Et puis, on va aller à Hébreux chapitre 11. Donc, on va voir qu'est-ce que la Bible nous a commandé de faire quand il s'agit du changement. On doit arrêter comme on est sur la terre aujourd'hui ou est-ce qu'on doit changer? Romains, chapitre 12, le verset 1er. Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez votre corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Ok, c'est ce que la Bible a dit. On devait nous donner nos corps comme un sacrifice, comme le Christ l'a fait. C'est une chose raisonnable de faire, de s'offrir soi-même comme un sacrifice, comme le Christ l'avait fait. Continuez à lire. Verset 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde. Ne soyez pas quoi? Conformes à ce monde. Ne te conforme pas quand il s'agit de la façon de ce monde. Parce que la façon qu'on est en train de vivre sur la terre, ce n'est pas la façon que la Bible nous demande de vivre. On ne doit pas se conformer. Allez. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez retransformés par quoi? Par Par le renouvellement de votre intelligence. OK, la Bible nous a demandé d'être transformés. D'après quoi? D'après l'intelligence. Quelle sorte d'intelligence? Parce qu'il y a toutes sortes d'intelligence. On peut dire, je suis un docteur, j'ai beaucoup d'intelligence. Non, non, ça se parle pas de ça. Ça se parle de l'intelligence biblique. Donne-moi Malachi 7, verset 2. Et on va retourner sur Romain. Le livre de Malachi, chapitre 2. 7, verset 2. Et ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre cerveau, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. On doit se transformer. Ça veut dire que la façon qu'on est en train de vivre, on doit changer ça. Donne-moi Malachi 7, verset 2. 2, verset 7, capitaine. 2, verset 7, désolé. Malachi, chapitre 2, le verset 7. Car les lèvres du prêtre devraient garder la connaissance. OK, la connaissance qu'on cherche, on devait le trouver dans la bouche des prêtres. Mais on voit quelle sorte de connaissance on devait chercher de recevoir de la bouche des prêtres. Et de sa bouche, on devrait rechercher la loi. De la bouche du prêtre, on devait faire quoi? Rechercher la loi. En même fois, je vous dis que dans toutes les émissions, presque, la loi, c'est la chose principale. La croyance en Christ et appliquant la loi. Parce que pour être transformé, quand tu regardes la façon qu'on est en train de vivre sur cette terre, qu'est-ce que serait que ça, la transformation qui nous fera agir différemment des autres? La loi. Parce que cette terre a une manière de vivre. Il y a des lois qui existent sur cette terre, mais nous, on doit vivre comment? Selon ce que dit la Bible. Et comment pouvons-nous savoir ce que dit la Bible? On doit aller après voir les prêtres et les pasteurs, les prophètes, quoi qu'ils soient, les gens qui disent qu'ils ont la connaissance biblique. Mais relire ça pour savoir qu'est-ce que ces prêtres-là, les vrais prêtres, qu'est-ce qu'ils doivent nous enseigner. Malachi, chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du prêtre devraient regarder la connaissance. Pardon, excusez-moi. Car les lèvres du prêtre devraient garder la connaissance. Et de sa bouche, on devrait rechercher la loi. Faites attention bien, ça dit, la bouche du prêtre devrait avoir la connaissance. Ça veut dire que pas tous les prêtres ont la connaissance. C'est ce qu'ils devraient avoir.
Il devait avoir la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La loi. Il devait parler de la loi. Mais aujourd'hui, de quoi que les prêtres parlent? De quoi que les pasteurs, les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils disent? La loi est abolie. Et mais si la loi est abolie, comment pouvons-nous appliquer Romains 12? Parce que peut-être quelqu'un va dire, ah, ça, tu lis dans l'Ancien Testament. OK, bien sûr, Malachi, c'est dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que dit le Nouveau Testament? Allez en Romains 12, vous lisez Romains 12, le verset 2. Romains, chapitre 12, le verset 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde. Ne soyez pas conformés à ce monde. La façon de vivre sur cette terre, ce n'est pas ça qui mène à la vie éternelle. Allez dans les clubs, parce qu'on doit savoir qu'est-ce que c'est que ça, la façon de ce monde. Allez dans les clubs, dans les discothèques, dans les fêtes d'orgie, fumer du marijuana, prendre des coques, cocaïne, prendre des drogues, à vrai dire. C'est ça la vie de ce monde. Aller fêter, danser, prendre plaisir. C'est ça la vie de ce monde. La Bible nous a dit d'être pas conformé de la façon qu'on est en train de vivre dans ce monde. Et prêtez attention bien, nous sommes tous nés là-dedans. Nous sommes tous nés là-dedans parce qu'on est tous les Israélites, nous sommes les enfants de l'esclavage. Et qui nous a enseigné comment de vivre? Les faux blancs, ce qu'on appelle d'après la Bible, Esau. La façon qu'ils mènent leur vie, c'est la même façon qu'on essaie de mener nos vies. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui nous ont enseigné, qui nous ont montré comment vivre sur cette terre. Et ils ne nous ont pas montré comment vivre d'après ce que dit la Bible. Pour ça, la Bible nous a dit de faire quoi? Continuez à lire. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. OK, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence, on t'a déjà montré que ça se parle de la loi de Dieu. Parce qu'on est né sans la loi. Maintenant, en tant qu'homme, on sait penser, on sait réfléchir, on doit savoir qu'est-ce que le Seigneur désire de nous. Quand je dis ça, donne-moi Matthieu 19, verset 16. Matthieu, chapitre 19, le verset 16. Et voici quelqu'un vint et lui dit, « Bon maître, quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle ?» Qu'est-ce qu'on devait tous demander? Le premier jour qu'on entre dans l'église, on devait demander le pasteur ou le prêtre ou le prophète. « Hé, prêtre, prophète, pasteur, quoi qu'il soit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Et si jamais tu as déjà demandé ça dans ton église, je sais déjà la réponse. Croyez en Dieu et baptisez. Allons voir ce que le Christ avait dit. Continue à lire. Verset 17. Et il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Si vous voulez entrer dans la vie, tu dois faire quoi ? Garde les commandements. Garde les commandements. C'est ça qui va te donner la vie. C'est ça qui va te permettre de te transformer. De cesser de vivre à la façon que tu es en train de mener votre vie maintenant. Parce que quand tu regardes la Bible, il n'y a pas de petit copain ou petite copine dans la Bible. Il y a le mariage. D'après la Bible, vous ne devez pas coucher avec une femme en tant qu'homme avant d'être marié. Cette loi-là, si on applique cette loi vraiment dans notre vie, on n'aurait pas peur de maladies sexuelles. Hein? On n'aurait pas peur de ça. Et quand on regarde l'Afrique, il y a trop de maladies sexuelles. Bien que le sida, nous savons tous que ça a été créé dans un laboratoire. Mais au moment donné, à l'heure actuelle, c'est pas le laboratoire qui donne la maladie aux autres. C'est qu'il y a trop de gens qui sont en train de commettre la fornication ou l'adultère. Mais si on appliquait la loi du mariage, ça seulement annulera toutes les maladies sexuelles. Pour voir vous devez voir le pouvoir d'une seule loi
d'un seul commandement. Combien de choses une seule loi qui est dans la Bible peuvent éliminer? Si une seule loi peut faire ça, quoi d'autre les autres lois peuvent faire? Si vous suivez les lois alimentaires, la plupart des maladies corporelles que vous avez, le diabète et tant d'autres, vous ne les aurez pas. Parce que il y a une raison du fait que le Seigneur nous avait donné des lois alimentaires. C'est pour nous sauver la vie. La loi, les lois civiques, les lois morales, on n'aurait pas de drug dealer, on n'aurait pas de mauvais gouvernement. Pour vous montrer que la solution de tous nos problèmes, c'est d'observer les règlements de Dieu. Sans les règlements de Dieu, on est tous foutus. OK? Finir à lire Hébreux. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, le verset 2. « Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. » Afin que vous puissiez démontrer qu'est-ce que c'est que ça, la volonté de Dieu. Donne-moi la volonté de Dieu dans Psaume 40, verset 8. On devait tous savoir qu'est-ce que c'est que ça, la volonté de Dieu, parce que on va dans l'Église et l'Église devait nous montrer la volonté de Dieu. Parce que si on ne sache pas la volonté de Dieu, comment pouvons-nous servir le Seigneur? Il est impossible. Parce que si tu travailles pour moi et tu ne sais pas ce que j'en ai besoin de toi, comment pouvez-vous faire ton boulot? Il est impossible. Avant de commencer de travailler, moi, je dois te dire qu'est-ce que tu vas faire pour moi. C'est la même chose. Le Seigneur a déjà écrit dans la Bible la façon qu'il veut qu'on commène notre vie. Mais est-ce qu'on t'a montré ça dans ton église? Non, point du tout. Allez, lisez ça. Psaume 40, verset 8. Je me délectais à faire ta volonté. Mm-hmm. Ô mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. Ta loi est dans mon cœur. La volonté de Dieu, c'est de faire la loi. C'est de faire la loi. Pour vous montrer quelque chose aussi, où est-ce que ça, Jean? Lorsque le Christ avait dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Jean 6, verset 38. Jean 6, verset 38. On va voir, est-ce que le Christ était venu faire d'autres choses que la volonté de son Père? Et on a déjà lu qu'est-ce que c'est que ça, la volonté de Dieu. Jean, chapitre 6, le verset 38. Car je suis descendu du ciel. Mmh. Non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé le Christ? Son Père. Son Père lui a envoyé. Il est venu faire la volonté de son Père. Qu'est-ce que c'est que ça, la volonté de son Père? On va lire ça dans Psaume 40, verset 8, pour mieux comprendre les choses. Et quand tu t'appelles chrétien, tu dis que tu suis le Christ. Ben donc, tu dois agir de la même façon que le Christ a agi. Montre-moi dans la Bible où le Christ a désobéi les lois. Point du tout, tu ne peux pas trouver ce verset. Et comment se fait-il aujourd'hui que tu t'appelles chrétien, tu dis que tu es un serviteur de Dieu et tu veux suivre le Seigneur Dieu de la même façon que Christ l'a suivi. Mais tu ne t'en occupes pas des lois du Seigneur. C'est fou, t'es fou. Psaume 40, verset 8. Mmh. Je me délectais à faire ta volonté. Mmh. Ô mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. OK. Pour faire la volonté de Dieu, c'est d'avoir la loi dans ton cœur. Ça veut dire que le Christ était venu avec la loi dans son cœur, qui est quoi? Votre cerveau. Non pas l'organe qu'on appelle le cœur, parce qu'on ne peut pas penser ou réfléchir avec cet organe-là. Pour observer, tu ne tueras point ou tu ne commettras point d'adultère, tu ne peux pas accepter ça avec l'organe où coule le sang, là, le sang. Tu peux seulement accepter ça avec ton cerveau. Et réfléchir sur ça, savoir comment ça va t'aider dans ta vie. Et après ça,
prendre une résolution de continuer à, de commencer à marcher selon ce que disent la loi. Parce que, raisonnablement parlant, ça fait sens. Ce que le Seigneur a dit, la façon qu'ils veulent qu'on mène notre vie, ça fait sens. Allez à Hébreux maintenant. On va prendre un exemple sur l'un de nos pères, Moïse. Hébreux chapitre 11, le verset 22. Parce que ma mère m'a dit qu'elle est trop vieux pour changer. Qu'elle est trop vieille pour changer. C'est ce qu'elle m'a dit. Allons voir dans la Bible s'il y avait des vieillards qui ont changé leur vie. Et je crois bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensent la même façon que ma mère pense. Allez. Hébreux, chapitre 11, le verset 22. Par la foi, Joseph, lorsqu'il mourut, fit mention du départ des enfants d'Israël et donna des commandements concernant ses os. Verset 23. Désolé. Par la foi, Moïse, lorsqu'il naquit, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent qu'il était un enfant particulier. Désolé, 24. Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Ok, arrêtez là. Vous devez réfléchir. D'être appelé le fils de Pharaon, c'est quoi? Un prince. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rois sur la terre, bien qu'il y a des présidents, mais il n'y a pas beaucoup de rois. Quand on parle des rois, surtout un roi a beaucoup plus de puissance qu'un président. Parce que dans un roi, il est le seul gouverneur. Ce qu'il dit, c'est ce qui va passer. Un président, il y a d'autres chambres, chambres législatives, judiciaires, qui peuvent dire d'autres choses. Mais un roi, personne ne peut dire rien au roi. Et son fils, personne ne peut dire rien. Et pour être un prince, ça veut dire quoi? Tu as tout le pouvoir sur ce pays. Et d'autant plus, on parle d'Égypte. Un pharaon était considéré comme quoi? Un dieu. Les gens l'adoraient. Ça veut dire quoi? Moïse était quoi en Égypte? Un petit dieu. Quoi qu'il voulait, il peut avoir ça. Femme, argent, quoi qu'il soit. Il était le prince d'Égypte. Mais quand il est devenu âgé, allons voir qu'est-ce qu'il a fait. Verset 24. Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a renié le nom prince d'Égypte. Il dit, ne m'appelle pas prince d'Égypte. Parce qu'il a aperçu quelque chose. Allez. Verset 25. Choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec son peuple, avec le peuple de Dieu, que de jouir des plaisirs du péché pour une saison. Vous voyez bien, c'est ce que Moïse a décidé de faire. Il a décidé de souffrir avec le peuple de Dieu, avec son peuple, au lieu de jouir des plaisirs du péché pour une saison. Parce que le péché, il y a beaucoup de plaisir là-dedans, sinon personne ne l'empêcherait. Mais du fait que le péché, il y a beaucoup de plaisir là-dedans, les gens continuent. Mais un jour, Moïse s'est levé, il a dit non. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas vivre comme un Égyptien. Et ce qu'il a aperçu, c'est que s'il a décidé de laisser tomber le titre prince d'Égypte et d'aller fréquenter ses frères, il ne pouvait pas jouir les biens d'Égypte. Ça veut dire qu'il allait devenir un esclave comme ses frères. Vous voyez ça? Ce que Moïse a décidé de faire, c'est là le problème avec la plupart de nous sur cette terre. On a peur de vivre, de mener une vie où il n'y a pas de richesse.
C'est pour cela que la Bible a dit qu'il est plus facile qu'un chameau passe dans l'œil d'une aiguille ou au lieu qu'un homme riche rentre dans le royaume des cieux. Parce que Moïse a tout laissé tomber pour suivre le Seigneur. Et il avait tout, vraiment, il avait tout qu'il voulait sur cette terre. Mais vous, vous avez quoi? Peut-être 500 000 dollars dans ton carnet. Ça ne veut pas dire pourtant laisser tomber les 500 000 dollars. Non, si vous êtes en train de mener des vies mauvaises, vous devez laisser ça tomber pour suivre le Seigneur. Ton argent est ton argent, tu peux retenir ça. Mais la plupart de nous, on veut vivre, on veut aller dans les clubs. Bon, si vous décidez vraiment de servir le Seigneur, vous ne pouvez pas y aller dans les clubs. Parce que ce lieu-là est un lieu mondain. Si tu as transformé ton cerveau, vous pouvez changer la façon de vivre. Et t'en fais pas. On a beaucoup de jours de fête dans la Bible. La façon quand tu lis la Bible, il y a les fêtes de nouvelles lunes. On a une nouvelle lune par mois. Ça, c'est déjà 12 fêtes. Et quand tu lis le livre de Lévitique 23, on parle de quoi? Fête de tabernacle, fête de Pâques juifs, fête de trompettes, quoi d'autre? Fête de dédicaces. Fête de dédicaces. Il y a beaucoup d'autres fêtes que je ne me rappelle pas à l'instant. Ça veut dire qu'on a beaucoup de journées de fêter. Mais on ne fait pas les fêtes de la même façon que le monde le fasse. Vous n'allez pas venir auprès de nous pour voir des femmes qui portent des pantalons ou des jupes courtes ou des collants. Non, tout le monde va habiller comme des princes, des princesses et des rois. On porte des vêtements vraiment respectueux. Et en fait, on ne danse pas la même façon que dansent les gens dans les clubs. Les danses sexuelles, on ne fait pas ça. Ce sera ça la différence. Et on ne boit pas à l'alcool jusqu'à ce qu'on devienne ivre. On ne fume pas. Mais on fête comme le Seigneur nous a demandé de fêter. Mais la plupart de nous préfèrent la façon que les choses passent dans le monde. Pour cette raison-là, vous n'allez pas changer. C'est ça, vous préférez de jouir, quoi? De jouir, comment ça dit encore? Le plaisir du péché. Pour une saison, parce que ça ne va pas durer pour tout le temps. Ça va durer pour une saison. Allez à Actes chapitre 7, le verset 23. Pour voir à quel âge que Moïse a décidé de changer. Actes chapitre 7, le verset 23. Je commence au verset 22, capitaine. Laisse-moi voir. Allez donc. Verset 22. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et était puissant en parole et en action. OK, il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire que Moïse adorait tous les dieux des Égyptiens. Il connaît comment faire les services. Il agissait comme un Égyptien. La même façon que, disons, tu es né aux États-Unis, bon, tu vas agir comme quoi? Comme les Américains. Si tu es né en Rome, en Italie, tu vas agir comme quoi? Comme des Italiens. Dans n'importe quel pays où tu es né, si tu n'as pas la connaissance biblique, tu vas agir la même façon. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Continue à lire. Verset 23. Et quand il eut 40 ans révolu, il vint dans son cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Quand il y eut 40 ans, il vient visiter ses frères. Comment savait-il que les Israélites étaient ses frères? Parce que sa mère, c'est sa mère qui l'a élevé. Parce que la fille de Pharaon a employé la mère de Moïse pour élever Moïse. Et durant ce temps-là, la mère l'a enseigné, oui, ce sont tes frères. Mais en tant que jeune homme, tu ne peux pas écouter ce que dit ta mère. Mais un jour, quand il avait 40 ans, il s'est rendu auprès de ses frères.
Allez. Verset 24. Et voyant un de souffrir à tort, il le défendit et vengea celui qui était opprimé et frappa l'Égyptien. Verset 25. Car il supposait que ses frères auraient compris comment Dieu, par sa main, les délivrerait, mais ils ne comprirent pas. OK. Moïse a vu la souffrance de son frère et ça lui a vexé l'âme et il a frappé l'Égyptien. Écoute bien. Bien qu'on est en train d'être oppressé aujourd'hui, on te dit pas d'aller de frapper les gens. C'est ça, c'est la façon que Moïse a agi auparavant, mais nous, on ne fait pas ça. OK? Aujourd'hui, de quelle façon qu'on va aider les hommes oppressés? La façon que je suis en train de faire ça, de prêcher la parole, d'éduquer les gens d'après la loi pour changer leur vie. Ce qui s'est passé durant les temps de Moïse, ça c'est différent. Parce que jusqu'à quoi, Maccabée, de Genèse jusqu'à Maccabée, on avait l'habitude de faire la guerre. Mais dans le Nouveau Testament, le Christ nous a défendu de faire la guerre. Ça veut dire qu'on ne doit pas y aller, prendre des armes pour aller combattre contre les méchants. Les armes qu'on va utiliser, c'est la Bible. Pour changer l'intelligence des hommes. Pour leur faire savoir comment vraiment se transformer pour vivre la façon que le Seigneur leur a demandé de vivre. Allez. Verset 26. Et les jours suivants, il se montra à eux pendant qu'ils se battaient. Il aurait voulu les réconcilier, disant, « Messieurs, vous êtes frères, pourquoi faites-vous tort l'un l'autre ?» Verset 27. Mais celui qui faisait tort à son voisin le repoussa, disant, « Qui t'a fait dirigeant et juge sur nous ?» Aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de gens nous disent, qui t'a établi comme prophète sur Israël, on ne va pas t'écouter. Mais tu n'as pas besoin de m'écouter. Écoute la parole qui sort de ma bouche. D'où viennent ces paroles-là? Est-ce que ce sont mes paroles ou ce qui est écrit dans la Bible? Et les mêmes personnes qui parlent comme ça ou qui pensent comme ça, ils n'ont jamais parlé comme ça avec leur pasteur. Toute leur vie, il a à l'église et s'assit et écoutait sans problème. Mais toute leur vie, ils ont appris que le Christ était un homme blanc. Ils n'ont jamais questionné ça. Au moment donné qu'on vient de leur montrer dans la Bible que le Christ est un homme noir, ils ne l'acceptent pas. Mais eux, ils n'ont jamais questionné d'où vient l'image taillée du Christ blanc. Changez, messieurs. Allez à Exode 7, verset 7. Moïse avait 40 ans quand il s'est réveillé. Et allons voir à quel âge que le Seigneur lui a parlé. Parce qu'il faut y avoir du temps. Passer du temps, étudier, prendre soin de toi, changer loi par loi, loi par loi. Et un jour comme ça, tu deviendras comme moi-même, peut-être plus mieux que moi, enseigner les autres. Parce que on a un bon travail à faire, mais on a besoin d'aide. On a besoin de beaucoup de gens, qui, surtout gens francophones, parce qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui parlent le français. Il y a le Canada, la France aussi, et les pays caribéens. Le français est parlé dans beaucoup de pays. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on doit réveiller. Et je ne peux pas le faire seul. Ça veut dire qu'on fait un appel maintenant. Réveillez-vous et prends ça bien, prends ça en main, afin qu'un jour, vous pouvez nous aider aussi. Lisez ça pour nous. Exode chapitre 7, le verset 7. Et Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans quand ils parlèrent à Pharaon. OK. 80 ans. Moïse avait, quand il parlait à Pharaon. Ça a pris du temps avant que le Seigneur lui a envoyé pour la faire retourner en Égypte pour faire son boulot. C'est la même chose. Tu vas, si, disons, tu as décidé de changer aujourd'hui, peut-être ça va te prendre un bon 3 ou 4 ou 5 ans afin que vous pouvez maîtriser la Bible,
excusez-moi, et commencer à prêcher. Mais vous ne pouvez pas y aller du jour au lendemain pour aller prêcher. Quelqu'un doit t'enseigner. Quelqu'un doit t'apprendre comment enseigner. Comment faire la guerre spirituelle. Parce que c'est une guerre. Parce que tout le monde a d'autres idées dans leur tête et nous, on a la Bible dans notre tête, dans la tête. Et qu'est-ce qu'on va faire? Combat de pensée. Et on va leur faire voir qui vraiment a la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont déjà reçu la vérité dans le main de leur pasteur, mais non, point du tout. Donne-moi Ésaïe, le chapitre... Sagesse, 19, verset 5. Ecclésiastique, 19, verset 5. Sirach, 19, 5. Sirach, chapitre 19, le verset 5. Celui qui se réjouit de la méchanceté sera condamné. OK, celui qui prend plaisir dans la méchanceté sera condamné. La méchanceté, c'est quoi? La désobéissance de la loi. La méchanceté, c'est quoi? C'est le péché. Si tu prends plaisir à pécher, si tu prends plaisir à désobéir la loi, tu seras quoi? Condamné. Ça veut dire que le Seigneur te détruira. En tant qu'homme, vous devez réfléchir et de changer. Parce que le plaisir du péché, c'est ça le problème. Mais on prenait tous plaisir dans le péché. La même façon que Moïse a pris beaucoup de plaisir dans le péché, parce qu'il a passé 40 ans là-dedans. J'ai changé ma vie quand j'avais 35 ans d'âge. Ça fait 9 ans depuis que j'ai changé ma vie. Ça veut dire que n'importe quel âge tu as, tu peux changer. Le jour que tu veux changer, tu vas changer. Mais c'est à toi de décider de changer. Peut-être tu aimes fumer les cigares. Parce que quand tu fumes les cigares, une bouteille de champagne entre tes mains, ça te fait plaisir, tu te fais passer comme un grand tête. Non, tu as l'air d'un grand tête. Laissez tomber les cigares. Parce que ça est contre la loi. La Bible a dit que notre corps, l'Esprit de Dieu, habite dans notre corps. On ne doit pas le détruire. Le cigare, ça détruit le corps. C'est ça le changement. De laisser tomber toute chose qui nous mène à la mort. Vous voulez lire cet verset pour nous? Sirach, chapitre 19, verset 5. Celui qui se réjouit de la méchanceté sera condamné. OK, allez à Ésaïe 30, verset 15. Si tu réjouis dans la méchanceté, tu seras condamné. Pour être pas condamné, qu'est-ce que vous devriez faire? De laisser tomber les péchés. De prendre plaisir dans la loi de Dieu. Allez. Ésaïe, chapitre 30, le verset 15. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, en revenant et en prenant du repos, vous serez sauvés. Dans la tranquillité, sera votre puissance. Alors, vous commencez. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, en revenant et en prenant du repos, vous serez sauvés. En revenant et prenant du repos, vous serez sauvés. Revenant, ça veut dire en retournant vers le Seigneur et prendre du repos, cessez de faire toutes les mauvaises choses que vous avez l'habitude de faire et comme ça, vous serez sauvés. Continuez à lire. En revenant et en prenant du repos, vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre puissance. La tranquillité et la confiance. La confiance dans quoi? Dans la Bible. Ça va te rendre sage et tu resteras tranquille. Tu ne vas pas te saccager à l'est ou à l'ouest partout pour faire des sottises là. Tu vas rester calme. Méditez sur la parole de Dieu et commencez à changer votre vie. Et comme ça, vous serez sauvés. Continue. Mais vous ne le voulez pas. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas changer.
Mais pourquoi? Parce que il y a parmi nous, il y a des méchants. Deux tiers des Israélites ne vont pas changer, mais un tiers sera changé. Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe, le chapitre 5, verset 20. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité. OK, la Bible a dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Parce que la loi, c'est le bien. Mais il y a beaucoup de gens qui prend le bien pour le mal. Et ils prennent le mal pour le bien. De s'enrichir, pour eux, c'est le bien. Mais de s'enrichir d'une façon où si tu t'enrichis et après d'être riche, de devenir riche, ta richesse, c'est ça, est devenue la raison qu'une autre personne est pauvre ou est droguée, disons, si tu vends les drogues pour devenir riche. Et tu as vendu les drogues avec d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Tu fais le mal. Mais pour toi, c'est le bien parce que tu as beaucoup d'argent. Tu as dit malheur à ces gens-là. Si tu appelles le mal un bien et le bien mal. Tu as tout l'argent, ta famille est riche, tu es riche et t'en fous pas mal des pauvres. Et t'es devenu riche parce que tu as envolé les pauvres. Malheur à toi. Prends garde parce que le Seigneur voit tout. Vous lire ça? Malheur à ceux qui appellent le bien, le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière. Qui met l'obscurité à la place de la lumière. Et il y a assez de richesses sur la terre, on devait tous bien manger, bien vivre. Mais il y a des gens qui disent non, ça c'est pas bon. Le bien, c'est que j'ai tout et toi tu n'as rien. Il remplace la lumière avec la ténèbre. Malheur à ces gens-là. Allez. Qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité. Qui mettent l'amer à la place du doux et du doux à la place de l'amer. Quand tu regardes bien, il y a les pays francophones là. Les pays blancs. Les pays des sceaux. Ils viennent dans nos pays et ils prennent tout. Ils s'envolent, ils s'en vont. Et puis après ça, ils nous envoient de l'aide. Disons, ils nous ont envolé 2 milliards de dollars et après ça, ils nous donnent 100 000 dollars pour manger. Et il fait en sorte que le jour qu'ils te donnent les 100 000 dollars, ils viennent avec les caméras, les journaux, pour que tout le monde puisse voir qu'ils fassent du bien. Mais quand il n'y a point de journal, point de caméra, ils viennent dans la nuit, clandestinement parlant, et ils prennent tout ce qu'on a. Et ils retournent dans leur pays, s'enrichissent. Et aux télévisions, ils disent, ah, regarde ces gens-là, ils ne peuvent pas même se gouverner eux-mêmes. Le continent est vraiment riche, mais ils ne savent pas comment agir. Mais écoute donc, la façon que je n'ai rien, c'est parce que tu as tout envolé. Et jusqu'à nos jours, c'est ce qui se passe. Il vous donne aussi. Une autre façon qu'il nous envole, il donne à n'importe quel gouvernement, il leur empoigne un grand morceau d'argent. Il bâtit des choses pour eux et il met des intérêts sur l'argent. Il vous donne peut-être 2 ans pour payer, mais il sache bien qu'en 2 ans, vous ne pouvez pas payer l'argent. Le pourquoi? Parce que la façon que vous pouvez faire l'argent pour leur payer
Déjà, ils l'ont envolé. Et après 2 ans, tu n'as pas assez d'argent pour payer. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le contrôle de tous les mines d'or de ton pays. Bien que tu le dois l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais donner le contrôle des mines d'or. Mais c'était ça, votre source d'argent. Ça, c'est la convoitise. C'est de passer la lumière pour ténèbres et ténèbres pour la lumière. Ils se font passer comme des hommes de bien, mais vraiment, ils sont des satans. Dieu les a vus. Donne-moi Ésaïe 1, verset 3. Mais il y a parmi d'entre nous aussi qui travaillent avec eux. C'est ça le plus gros problème. Ce sont eux qui travaillent avec les satans. Ésaïe, chapitre 1, le verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne me connaît pas. Mon peuple ne considère pas. C'est ça notre problème. Nous sommes Israël, mais regarde bien, la Bible nous a comparés comme deux bêtes. L'âne, si tu vis dans les campagnes, peut-être tu sais ça déjà, tu veux prendre l'âne et le mettre très loin de sa maison, peut-être dans 2 jours, 3 jours, quoi qu'il soit, ça dépend de la distance, l'âne va retourner à sa maison, tout seul. Bien que cette bête n'a pas vraiment beaucoup d'intelligence, mais elle sache sa maison. Le vache, cette bête-là est sauve, mais il reconnaît son maître. Mais nous, Israël, nous ne connaissons pas que nous sommes Israël et on ne considère même pas. Le pourquoi? Parce qu'on est à la recherche de la richesse. On s'en fout pas mal de qui nous sommes. Nous ne savons pas que toute la terre entièrement est à nous, ça appartient à nous. On est déjà riche. Tout ce qu'on a à faire, c'est de retourner vers le Seigneur. Mais le blanc nous a troublé la tête. Il s'est fait passer comme Dieu. Et nous tous, on a des folies de leur suivre, de devenir comme eux. Et à cause de ça, on oublie qui nous sommes et on ne considère même pas. Nous préférons de rester dans les vies douloureuses qu'on est en train de mener. Et pour nous, ça, c'est la belle vie. Surtout si on peut y aller dans les pays étrangers, faire le va-et-vient. On va en Europe, en Amérique, et retournant dans nos pays, et se fait passer pour quelqu'un. J'étais en Amérique pour 3 ans, là, et tout le monde court vers toi. Ah, il était en Amérique, oh mon Dieu! T'as vu des blancs? Vous comprenez bien? Parce qu'au moment où quelqu'un retourne des pays étrangers, on les traite comme quoi? Comme un roi. Mais non, mon vieux. Ce que vous devez chercher, ce que vous devez admirer, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Comment retourner vers le Seigneur? Parce que la raison pour laquelle qu'on vit dans la condition qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'on a désobéi les règlements de Dieu. C'est tout. Pour y avoir la belle vie sur la terre, on a jusqu'à faire quoi? D'obéir les règlements. Allez voir ça. Deutéronome 28, verset 1er. Deutéronome 28, verset 1er. Allez, lisez ça. Deutéronome, chapitre 28, verset 1er. Il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Le Seigneur, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Écoute bien ce que dit la parole. Si on écoute la parole de Dieu, il nous placera au-dessous de toutes les nations qui sont sur la terre. Si on veut devenir la nation le plus grand sur la terre, on a jusqu'à obéir la voix du Seigneur. Et
Après ça, on doit faire ce que aller à Sophonie 2, verset 1er. Il y a une autre chose qu'on doit faire. Parce que j'ai dit, on doit tous obéir comme une seule nation, parce qu'on est Israël. Lisez pour nous. Sophonie, chapitre 2, verset 1er. Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, ô nations non désirables. Le Seigneur nous a demandé de nous rassembler, parce qu'on est, on est une nation qui n'est pas désirable. Ça veut dire qu'on doit, on doit s'unifier, mais pour s'unifier, on doit savoir quoi? Qu'on est Israël et on doit observer les règlements de Dieu. Parce qu'on ne peut pas unifier ensemble, comme si moi je suis israélite et toi tu es musulman, l'autre est catholique, celui-ci est protestant, l'autre fait le vaudou. Non, on ne peut pas unifier comme ça. On doit unifier sur un seul Dieu et la loi. Parce que la loi du Seigneur, c'est ça qui va nous gouverner. C'est ça qui va nous montrer comment agir envers l'un et l'autre. Et si vraiment il y a une bonne alliance royale entre nous et on applique tout ce qui s'est écrit dans la Bible, bon, comme ça, le Seigneur va nous rendre la nation le plus puissant. Mais aujourd'hui, tout autant que tu te vois comme Congolais, moi comme Haïtien, lui comme Guadeloupéen, l'autre comme Français, l'autre, non. Le peuple de l'esclavage, c'est nous, le peuple d'Israël. On nous a divisés durant l'esclavage. Et on nous a renommés. C'est pour ça que la Bible a dit dans Ésaïe 1, verset 3, on ne considère même pas. Parce que ça fait si longtemps depuis qu'on nous a divisés, on ne considère même pas que peut-être nous sommes les Israélites. Et d'autant plus, on met une autre nation là-bas qui s'appelle Israël. Mais on t'a déjà montré, ils ne sont pas des Israélites. Ils sont des Israéliens. Ils ne sont pas les vrais Juifs. Ils sortent d'Europe. Les vrais Juifs, selon la Bible, ce sont des hommes noirs. Les vrais Juifs, selon la Bible, ce sont ceux qui sont les enfants de l'esclavage. Et c'est pour ça, chaque jour, on prêche dans les rues, dans les stations de radio, pour faire savoir vraiment qui sont les vrais Israélites. Parce que l'heure, il est temps de nous rassembler ensemble, de sortir de cette misère. Tout autant on reste divisé, ça ne changera jamais. Donne-moi Ecclésiaste 8, verset 11. Ecclésiaste 8, verset 11, parce qu'on n'a pas assez de temps. Ecclésiaste 8, verset 11. Et puis après ça, donne-moi Ecclésiastique 5. Lis ça bien rapide, parce qu'on n'a pas trop de temps. Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 11. Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. C'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. OK. Parce que c'est pour ça que beaucoup d'entre nous ne veulent pas changer. Parce que tu as fait du mal, tu as fait du mal, tu as fait du mal et rien t'est arrivé. La Bible a dit ça. Parce que Dieu ne te punit pas rapidement. Tu as mis dans la tête que bon, rien ne va pas m'arriver. Point du tout. Le Seigneur te punira. C'est l'une des raisons qu'on ne veut pas changer. Allez, pour moi. Ecclésiastique. Oui, Ecclésiastique, chapitre 5, le verset 1er. N'attache pas ton cœur à ta richesse et ne dis pas, j'en ai assez. Verset 2. Ne suis pas ton inclinaison. Attendez. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont riches. La Bible a dit, ne t'attache pas dans tes richesses et ne dis pas, j'ai assez. Parce que quand tu lis la Bible dans Proverbes 23, versets 4 et 5, la Bible dit que la richesse peut grandir des ailes et s'envoler. Ne t'attache pas de la richesse. Aussi, tu peux lire dans Luc 12, verset 15, le parabole de l'homme riche, pour bien comprendre ce que dit cette verset. Continue. Verset 2. Ne suis pas ton inclinaison et ta force. Marchant selon les désirs de ton cœur. OK, parce que la Bible dit que le cœur est déceptif. On ne doit pas écouter notre pensée. Faire rien sans avoir la conseil. Quel conseil? La conseil biblique. Pour savoir bien comment faire les choses. Continue. Verset 3. Ne dis pas, qui aura le pouvoir sur moi? Car le Seigneur te punira sûrement.
Ok, le Seigneur te punira sûrement. Ne dis pas que j'ai péché, rien ne va pas m'arriver. Bien que tu as péché 10 000 fois, rien t'est arrivé, assurément, le Seigneur te punira un jour. Il est préférable de changer de votre vie. Allez. Verset 4. Ne dis pas, j'ai péché, et que m'est-il arrivé? Car le Seigneur est lent à la colère. Verset 5. Ne sois pas si sûr de l'expiation que d'ajouter le péché au péché. Ok, cessez d'ajouter le péché sur le péché. Chaque jour, tu te réveilles, tu pêches. Demain, tu pêches. Non. Tu dois changer. Tu dois montrer au Seigneur que vous voulez changer. Apportez des offrandes, changez votre vie afin que ça puisse marcher pour toi. Continue. Ne dis pas, sa miséricorde est grande. Il me pardonnera la multitude de mes péchés. Car la miséricorde et la colère sont avec lui. Et sa colère repose sur les pécheurs. Ok, il y a la miséricorde et la colère. La miséricorde est grande et la colère est grande aussi. Et sa colère reposera sur qui? Les pécheurs. Si tu es en train de pécher et continuer à pécher, un jour, ça va faire fâcher au Seigneur et il va te blesser durement. Allez. Verset 7. Ne tarde pas à te tourner vers le Seigneur et ne le reporte pas de jour en jour, car soudain la colère du Seigneur se manifestera et au moment de la punition, vous périrez. Le malheur n'a jamais averti à quelqu'un que le malheur va t'arriver. Ça n'a pas de klaxon. Et regarde bien, pendant que tu penses que tout va bien, d'un jour ou d'un autre, tu te réveilles, oh, tu es malade. Et tu es à l'hôpital, tu ne vas pas rentrer à la maison. Surtout l'année dernière, ça arrivait à beaucoup de gens. Un jour, on s'est réveillé, je ne me sens pas bien, aller à l'hôpital, et puis, c'est tout. Il ne faut pas prendre du temps. Donne-moi Psaume 119, versets 59 et 60. Bien, rapide. Le dernier verset. La Bible a dit, ne prends pas trop de temps pour tourner vers le Seigneur. Ne dis pas de jour en jour, je vais changer. Lisez ça pour moi. Psaume 119, verset 59. Je réfléchis à mes chemins. La Bible a dit, j'ai réfléchi à mes chemins. Allez. Et tourner mes pieds vers tes témoignages. Et tourner mes pieds vers les témoignages de Dieu. Parce que j'ai réfléchi la façon que je suis en train de vivre. C'est pas bon ça. Je vais changer ma voix. Allez. Verset 60. Je me hâtais et ne tardais pas de garder tes commandements. Ok, David a dit, j'ai fait rapidement, je me suis tourné vers le Seigneur. Là, pourquoi? Parce que le lendemain n'est pas garanti à toi-même. Ok, on va rester là. Que Dieu vous bénisse. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.